Et bien salut à tous, on se retrouve pour cet épisode 3 de Spyro 3 Heirs of the Dragon de la série Trilogie, Reunited Trilogy. Donc on va aller faire le monde de Shell, on s'est arrêté là dans l'épisode 2. Shell, le kangourou, est actuellement emprisonné par moi, on vient de gagner la sortie. Ouais. Salut Spyro, il y a des rhinocs partout. Peut-être que je serai à l'abri en haut de cette tour. Peut-être. Hélas, j'ai perdu mon amour. Elle est emprisonnée par de méchants rhinocs en haut de la tour. Tu peux aller la sauver pour moi? Ouais. Faut aller sauver ton amour. Comment tu t'appelles déjà, monsieur? Hélas. Marco. Boum. Alors, des petites gemmes. Faut pas oublier de les ramasser, hein, parce que bon... Le petit gros sou, il aime bien les gemmes. On a remarqué ça depuis le début de l'épisode, début de la série. Hop, toi tu as volé. Ce vol qu'il a fait. Hop, il y a un truc, il y en a un. Double saut, triple saut. Et boum. Il a dit d'ailleurs recevoir son pote sur la gueule. T'as voulu aller mon pote toi. Il y en a combien là de trucs? Ah ça fait partie du... D'accord. D'accord, il faut aller là. Il y a base. Hop, on a vu qu'il y avait un truc, mais bon, on ira plus tard. Dégage. Pas de truc à ramasser? Non, y a rien du tout. Allez. J'ai là. Oh, oula, 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 calme. La loi lui interdit de m'approcher. Ah. Ce n'est pas forcément sa copine, on va dire. Lucie. Un des dragons que j'ai déjà vu dans le 2. C'est pour ça que j'ai un peu bugué. D'accord, on va pouvoir aller là où on voulait aller. C'est ça. Ça marche pas beaucoup tout cas. Ah, c'est... Il y a encore un œuf là-dedans, je crois. Il y a un autre œuf, mais y'a rien. Attendez.
Hein. Je l'ai vu la gemme là. Hop. Boum. Ouais. Alors je pense qu'il y a plus rien. Parlez pas. Alors, il manque un œuf. Et la poule. C'est même pas plus que ça, hein. Je suis bien content que t'aies trouvé ton poulet, mais... J'ai failli me prendre un coup dans la gueule. J'aurais pu mettre un peu mieux le triangle autre part. Voilà, touche. Ah, là-bas, là-bas. Un verre qui fait que sa coquille lui. Ah, là c'est. Ah oh non, mais tu te plaques, il reste encore 5. Oh, mais merde. C'est quoi cette malchance là? Mince alors. Vraiment 5. C'est pas possible. Bah il y en a un. On manque 4. Ces deux. Ouais. C'est où pour entrer chez moi? Faut que je fasse tout le tour. Elle pas oublié, là. La maison est là.
dû en oublier dans le monde de chasseurs, je pense. Mais bon, la flemme. On le fera plus tard. Allons découvrir un nouveau monde. De toute façon, on a bien assez de trésors, là. On a bien assez. Retour à Ob Printanier. On peut tourner aussi, j'ai oublié. Attention, chasseur, c'est la méchante sorcière. Je vous avais averti, cet endroit n'est pas sûr pour les petits dragons et les chatons. Oh, merci, mais nous ne sommes plus des enfants. Eh bien, on va voir ça. Mais... Chasseur! Reviens quand t'auras ton diplôme de sorcière. Dis, c'est moi ou elle est plutôt mignonne quand elle est en colère? Chasseur, toujours en train de draguer. Hein. Alors, Alpe de Shira, c'est fait. Bon, on va pouvoir avancer. On va peut-être faire le monde de Tiki. Enfin, mon portail fonctionne à nouveau. Vite. Ouais. On va ramasser ça parce que j'ai eu beaucoup de missions que j'avais raté. Ah bah. Voilà tout ce que j'avais. Alors, le monde de Tiki. Un cratère en fusion. Monde de feu normalement, ouais, voilà. Il y a des Rinnoq partout dans le coin, mais je ne peux sortir personne de la loge Tiki assez longtemps pour y remédier. Ça me fait penser quelque chose à vous. Allez, c'est parti pour ramasser les voyous. Ah, la clé. Ah, la clé. Ah, parce qu'ils ont une bonne portée avec leur lasso. Ça, c'est un truc pour bouffer. Ah, parce que les herbes cachent bien les gemmes dans ce jeu. À 9. Ça fait le 20ème. C'est Kiki. Encore un verre. 10 millions de fois lui. Ah, je ne peux avoir de putain. Bam. Allez, dégage. T'as le mou d'un coup de fouet, t'inquiète pas. Spiro. S'il est trop faible, crache des flammes sur une petite créature comme cette limace pour libérer un papillon. Ah, c'est très logique. Bam bam, ça c'est fait. Voilà, c'est bon. Tu veux peut-être de cette cuve. Ah mais c'est rouge. Il est distribué à la loge Tiki hier soir. Ok. Il est curly. Il est tellement content. Le mec il est tellement content. Oh bah, ah c'est dégueulasse vraiment.
Et hop, il va nous aider pour porter la montgolfière. Là c'est le pingouin, mais le pingouin je crois. Note, le sergent Byrne est actuellement en mission à l'intérieur d'une cage. Pas de chance, l'ascenseur. Ah d'accord. Il faudra payer gros. Bah, en parlant de lui, le voilà. Par contre, il va m'attendre un peu. Là, il y a une clé. Oh non! J'ai pas voulu sauter! Oh non, je suis mort! Oh la honte! J'ai voulu faire le show! J'aurais pas dû. Bon, Bichou, qu'est-ce que tu veux? Spiro, tu arrives juste à temps. J'ai vu deux voleurs d'œufs passer par cette porte. Enfin, en fait, ils m'ont payé pour garder leur repère. Mais c'est une autre histoire. Je te laisserai volontiers passer contre... une petite récompense. Ouais, comme d'hab, quoi. Ah, vas-y, tiens. Merci, Spiro. Et bonne chance pour attraper ces satanés voleurs d'œufs. Ah ouais, bonne chance, hein. Va me voler tout mon fric, cet enculé. Bon, toi. C'est toi, le dragon qui cherche ses œufs. Parce que j'ai vu un type bizarre qui en avait un passer par là. Ouais, je le vois là-bas. Il faut la supercharge, j'ai mis moi. C'est normal, c'est pas activé. On va le rattraper à force de pouvoir après. Prenant bien serré. Regardez, on le rattrape. L'entrée ouvert, l'entrée serré. Allez. Tour, il est mort. Très passionnant, hein. Boum. Moira. Encore en vert. Il n'y a que de ça. Pourquoi ils sont tout verts les dinosaures, wesh? C'est E.T. Voilà un autre. Il était vraiment rapide. Okay. Peut-être que si j'active la supercharge, tu pourras le rattraper. Ça serait cool. Alors la supercharge. Bon. Lui c'est l'un des plus galères. On commence à courir à partir de là. C'est raccourci. Et boum. Voilà. C'est une technique, après normalement on doit faire 2 tours, 3 tours. Et là en 1 tour plus 1 demi, ça passe.
Faut juste décaler vers la droite comme j'ai fait. Et c'est gratuit. Petite strap tété. Bah, je l'ai vu celui-là. Ah, moi j'ai tout récupéré. Hein. Encore plus sorti. Hein. Merci vieux. Alors, il manque deux œufs encore. Dans la serrure. Cac. Raté. Ça me fait toujours avoir. C'est ouf, hein? J'ai raté quoi là? Je dois passer à côté depuis tout à l'heure, mais comme un con. Je pense que ça va être le monde des pingouins qui a les autres œufs. Donc ouais, on y va. Voilà pour le monde Tiki. Assez court pour l'instant, mais on doit y retourner de toute façon avec le pingouin. Avec Bird. Bird le colonel, Bird. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix d'y revenir. Bon, on a le temps pour faire un autre niveau. Ouais, attends. Ce qui est plutôt cool dans ce jeu, c'est que par exemple, là il a bouffé ma manette en meuf, la couleur de la manette, la couleur de la LED de la manette passe en jaune. La caméra du jeu est actuelle, si tu veux. Non. La caméra est désormais en. Non, s'il te plaît. Si tu ramènes une personne de chacun des cinq mondes. Ok. Bon, le phoque. Super ! Mon portail fonctionne ! On se retrouve à la plage. On se retrouve à la plage. 25. Je crois qu'on va s'arrêter ici, ce sera un épisode assez court, mais bon, on a fait quand même deux niveaux. Moi, ça on peut compter, voilà. Ouais, on a fini le niveau qu'on avait commencé à l'épisode 2, on a terminé 1.
Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour suivre la série et les séries des copains, que ce soit les Spyro, les Pokémon Let's Go qui vont arriver, et tout le reste, Dragon Quest bien sûr, d'Agi. Sur ce, portez-vous bien, bye bye!